Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie Docteur. Oh, plus de voix. Excusez-moi. Bonjour et bienvenue encore sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Docteur Fong pour un nouvel épisode de Prison Architect. Donc voilà, j'ai refait des cellules flashy, modernes, cool, cool tiers. Voilà, c'est pas les meilleures cellules du monde, mais après t'as des problèmes de type la cellule est trop luxueuse. Bon bah voilà, pour moi c'est catégorie moyenne, supérieure. Bon là c'est au-dessus de la moyenne, mais pour l'instant il n'y a personne dedans. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va bourrer les prisonniers dedans, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut pour 4 prisonniers à chaque fois. Bien que si, pour 8, si, on est même large. Ah bah si, on est même large. Oh, on est même très large. Des chaises, il en faut combien juste pour savoir en termes de logistique une chaise pour 4 prisonniers. Bah dis donc. Ah par contre on n'aura pas assez de billard. Mais écoutez, on récupère quelques éléments. Finalement j'ai vu avec la compta. Moi ça suffit largement. Voilà. Et ça suffit largement. Voilà. Ils ont déjà beaucoup de toilettes pour creuser des tunnels, c'est déjà très bien. Pas se plaindre. Non, d'ailleurs tiens, ça me permettrait de déplacer mes radiateurs. J'embête le monde. Tac tac tac, télévision, cabine, étagère, chaise, table. Ah, toilette, c'est pas précisé, tu peux en mettre qu'un. Ok. Une fenêtre vers l'extérieur pour 8 prisonniers. Bon, bah on est large. On est large. Ils sont bien, hein. Ils sont bien lotis, les petits mecs, hein. Votre cantine c'est bon, alors attendez, il faut que je vois ça aussi parce qu'au début j'avais le souci de ils trouvent pas leur cantoche. Ah non non non. Ah non non non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça c'est là. Ça. Ah ça veut pas. Alors ouais, ça. Eux ouais, c'est bon. Et eux aussi. Eux là, vous là, ici. Toi par contre, là. Voilà. Voilà. Comme ça, on est bon. On est bon. Dans les petites modifications de plan, il y a eu aussi une ouverture ici pour profiter de la chaudière en réalité. Mais également parce que j'ai l'armurerie qui est là. Et ça permet de raid instant. Tout type un peu désagréable. Et voilà, et on est déjà pas mal, hein. Après il va falloir embaucher moult sniper évidemment, hein, parce que j'ai besoin de moult sniper vu la taille du machin. Ce qui me fait penser que j'ai besoin d'une autre tour de garde ici. Ouais, ici genre. Quoi? Pourquoi je veux pas? Pourquoi tu veux pas? Parce qu'il y a un arbre débilos. Mais là, ça marche aussi. Et attends, on va mettre quand même quelques loupiottes, hein, mec, qui puisse voir quelque chose. Je ne sais pas s'il peut tirer par-dessus le parapet, mais bon, au moins il verra quelques trucs cool. Hein. Voilà, ça y voit un peu. C'est réglé à la louchette, hein, mais voilà, c'est très bien aussi la louchette. Ah oui, d'ailleurs, oui, il fallait que je fasse pareil ici. Hein. Voilà, on met quelques loupiottes. Ça c'est pour les mecs qui seraient tentés de s'évader pendant que c'est pas encore aménagé. Bon, ça la dégage. On en remet une là. Voilà, c'est pour le plaisir. Mais bon, normalement avec les maîtres chiens ça devrait se faire. Surtout que maintenant on a une nouvelle fonction qui est directement recherche de tunnel. C'était anciennement fouiller tous les toilettes je pense. Voilà, fouiller les toilettes. J'en ai profité, j'ai même mis une petite haie. Très jolie. Du coup, on va prendre notre première mission, infrastructure de haute sécurité. De télésurveillance dans votre prison. Genre, j'en ai mis que la moitié, il faut que j'en mette 6. C'est gourmand 6, hein. C'est gourmand. 6, c'est gourmand. Qu'est-ce que j'aurais besoin de surveiller? Je dirais bien l'atelier, le magasin. Ok. Ok, ok. Déjà augmentons nos effectifs. Oh là, il en faut du gardien là.
Et il en faut combien des gardiens? 20? Oh, ils sont sérieux. C'est gourmand ça. 20, c'est gourmand. Donc on va tout de suite. On va tout de suite aller dans admission. Ah ouais, alors attendez, il faut que je fasse pause. Parce que là ils viennent de nous mettre mal. Déploiement. Personnel uniquement. Accès au personnel uniquement. Personnel uniquement. Oui, ce sera personnel uniquement. Là on est sur du perso. Hein ? Ah c'est bizarre, il me compte. Ouais ça compte. Personnel uniquement, personnel uniquement, personnel uniquement, du perso, c'est perso, personne ne compte, là c'est perso, bien qu'on pourrait laisser pénétrer ici, non c'est pas nécessaire, je préfère garder ça en personnel uniquement, ça c'est perso donc uniquement on a dit, le reste ça c'est du partagé, donc on s'embête pas. Ici, les moyens de sécurité, vous allez occuper les cellules. Très bien. Et les basses sécurité, on peut avoir les condamnés à mort uniquement. Voilà. Voilà, condamnés à mort, enfin. Oui. Condamnés à mort uniquement ici aussi. Personnel seulement. Le personnel. Ça va être partagé. Ça va être moyenne sécurité, ah voilà, basse sécurité et basse sécurité. Basse sécurité, moyenne sécurité, on les sépare un petit peu. Moyenne sécurité, ok. Le magasin ne sera géré que par des basses sécurité. Ah non, je vais le mettre en partagé. Je suis obligé de le mettre en partagé. La cour, c'est pour tout le monde. La salle de classe, c'est pour tout le monde. La salle commune. Alors j'ai deux salles communes. Donc ça, ce sera les moyennes sécurité. Et ça, ce sera les basses sécurité. Il n'y en a pas beaucoup des basses sécurité, donc on va peut-être pas trop s'embêter dans ce genre de détails. Personnel uniquement. Personnel uniquement. Personnel uniquement. Ça va être partagé de toute façon, donc ok, pas de soucis, et normalement on est plutôt bon. Je pourrais tout mettre en accès limité, hein, en tendance à éviter les zones à accès limité, et à préférer suivre d'autres voies pour se déplacer dans votre prison. Ouais, non, c'est bon, ça devrait être bon. Ce qui m'embête, ouais, j'aurais bien aimé avoir une cour limitée, limitée aux gens qui. On va mettre accès limité, on verra comment ça va se passer. Et donc, go sur les admissions. On va faire entrer un maximum de moyenne sécurité. Bah en fait c'est juste combien on en veut. C'est pas compliqué. C'est pas comme ça que je voudrais. Nombre par jour. Ah on peut pas choisir. Remplir. On a beaucoup trop. Ah ces gens ont rempli. Remplir t'as pas le choix. Ah. Nombre par jour. On va faire entrer tout de suite des moyennes sécurité et rien d'autre. J'ai combien de cellules? J'ai dit, j'ai oublié. Est-ce qu'on a le détail ici? Tac tac tac, c'est des cellules en moyenne sécurité 22. Ben voilà. On va entrer 22 mecs. Fin de l'histoire. Voilà. On touchera 11 000 balles. Paf, allez envoyer. Et ça arrive dans 6 minutes, c'est bien. Ça m'arrange un peu. Voilà, on va rentrer des sous, on va avoir de la rente, ça va être bien. Voilà.
Du coup, il faut que je place quelques caméras de sécurité supplémentaires, ce qui ne me dérange pas réellement beaucoup. Je peux pas la mettre là. Il y a pas de place en fait. C'est un peu ça, je crois. Alors attention, il faut que je ferme ça. Alors, au-dessus des radiateurs, on peut pas mettre de caméra. Genre les caméras, ça cuit les radiateurs. La blague. Ça va être là en fait. Hein. Ouais, yes. On sera là. Ok. Ici. What else? Magasin, on a dit. Magasin, il faut un œil. Il faut l'œil de Moscou dans le magasin. C'est obligatoire. Sauf qu'il n'y a pas de place non plus. Ah, si, il y a une place ici. Ok, il y a une place là. Dernier coin qui pourrait m'intéresser. Classe, salle commune. Mais dans la salle commune, des moyens de sécurité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors allons-y. Maintenant, faut pas se faire sauter la pile. Parce qu'il va falloir alimenter toutes ces caméras, bien sûr. Espérons que ça fasse pas sauter la pile. Hein. J'en ai placé une ici. Ici. Et j'en ai placé une. Non, je crois là. Ouais, je la vois pas. Ok, elle est là. Ouais, et donc du coup, il faut que je fasse un petit poste d'écoute/slash surveillance. Je vais peut-être sûrement placer chez vous là. Parce que vous avez de la place en fait. Ce que les autres n'ont pas forcément. C'est oui, c'est contrôle des portes. Ça. Donc c'est le gros truc à 3. Aïe. Aïe. Gros truc à 3. Ouais. On n'aura jamais trop de place hein, de toute façon. On va faire ça. Ta petite chaise hein, quand même, on n'est pas des sauvages, t'as droit à une chaise. Ah là en plus j'en ai une en réserve, j'ai gratté une chaise quelque part, je sais même plus où. C'est formidable. Voilà voilà, ça c'est parfait. Il ne restera plus qu'à te connecter. Bah t'es électriquement connecté, qu'est-ce que tu me fais? Voilà, ton problème n'est pas électrique. Ton problème est que tu n'as pas de caméra pour bosser. Ça arrive. Et nous n'avons pas assez de gardiens. Une évasion aujourd'hui. Bah lol, c'est cool. Ça fait plaisir, vous bossez bien les gars. Vous bossez quand même super bien. On va être bien pour la réhabilitation, ça fait plaisir. Personnel, on va peut-être lâcher quelques mètres au chien. En revenu, on est à 1400 balles. 4 mètres au chien. Les gardiens, ça coûte cher les gardiens. Coûtez cher les gars. Et vous bossez pas grand chose. On manque deux jardiniers. Un concierge, au moins un. Ah oui, bah on n'a pas de sniper. Deux snipers s'il vous plaît. Pour demain, on remplit. On ferme ça. On ouvre ça. Et ouvre. Voilà, merci. Sauf que j'en veux que 8. 8 s'il te plaît. Voilà. Donc on est dans le rouge, hein, on est dans le rouge. C'est bien normal, malheureux d'être dans le rouge. Il va me falloir des cuisiniers. C'est quoi ça? C'est un mec énervé, lol. Il y a des types qui sont vénères. Hein? Oui, enfin ouais, t'es cuisinier quoi, tu te débrouilles. Débrouillez-vous, bande de cuistots. Vous êtes que des cuistots. Vous êtes beaucoup de cuistots. J'ai un mec énervé là, il a pas l'air détendu, qu'est-ce qu'il y a? C'est un fort résistant. Pour voir les besoins des prisonniers. Oh, il faut que je repaye l'autre crétin. Oui, j'ai viré mon psy entre deux. Ça servait à rien. Le psy. Voilà. Fais genre maintenant, boss, vas-y. Voilà, fais genre, voilà, voilà, c'est bien. Genre, t'es intéressant. Bon alors, c'est quoi ton problème? Tentative d'évasion.
Ouais, d'accord. Foutez-moi ça. L'isolement permanent, par exemple, ça va le détendre un moment. Y a personne pour aller le voir, c'est ça? C'est quoi l'idée? Mais quoi? Mais c'est quoi cette prison passoire? Il passe. Ah ouais, mais c'est parce qu'il passe par-dessus la grille, pétard. Je suis con, j'ai pas mis de barbelé parce que je voulais pas mettre de barbelé tout de suite. Cool. Mais j'ai aucun gardien qui veut bosser en fait. Je crois que c'est. L'astuce dans cette prison, c'est que personne ne veut travailler. Tout le monde doit aller derrière une caméra. Arrête, arrête de bouger toi. Je vais te niquer. Pas chier. Regarde là, l'autre il est tranquille. Tranquille. Je suis fatigué. J'ai rien branlé, je suis bien claqué, tu vois. Bah voilà. Allez, fous-moi ça au trou. Ça va le détendre. Panier à linge, machin. Ah oui, j'ai dû tout enlever parce qu'en fait ça buguait quand même. Alors ça par contre c'est un peu chiant, c'est que quel que soit le sens dans lequel vous mettez ça, ça ne marche pas, point barre. Point barre. Juste, voilà, ça ne fonctionne pas. Et il n'y a rien d'autre à ajouter. Les paniers à linge ici. J'ai mes 6. Très bien. Allons-y, prenons une subvention pendant qu'on fait le malin. Remplir, ça veut dire quoi? Jusqu'à 31. Oui, mais non, en fait, fais pas ça. Fermez. Prisonnier, on a quoi? 20 et 0 à risque faible. Quoi? Là jusqu'à 31. Mais oui, mais non. Le jeu il réfléchit pas, c'est fatigant. Je veux. Voilà. 8, tu m'envoies tes 8 crétins là. Vous avez rien à foutre ici, vous. On essaie de prendre du personnel? Non, mais non, 2 mois, j'hallucine quoi. Non mais c'est sérieux. C'est vraiment sérieux quoi. Bon. Ça, ils ont l'air sérieux. On va pas pouvoir rester comme ça très très longtemps. Puisque tout ça nous coûte de l'argent. Donc prenons des subventions. Qu'est-ce que tu veux? Tu sur l'alimentation carcérale? Peut-être pas tout de suite. Intégration et engagement. 3 prisonniers à buanderie. Cuisine et salle de nettoyage. C'est parti. Déploiement, non, logistique. Travaillez un peu. Ça vous occupera. Capacité de production carcérale. On va dire 30 plaques d'immatriculation. On va la prendre tout de suite. Prisonnier qualifié 0. Mais il n'y a personne qui est intéressé par quoi que ce soit en fait. C'est ça, c'est votre projet. Okay. Ça marche. Très bien. C'est pas grave, ce qui nous intéresse, nous, c'est de prendre la subvention. Donc vous irez faire de la plaque et puis basta. D'ailleurs, vous n'irez faire que ça. Excusez-moi. Vivez dans votre crasse, nagez dans votre crasse et ne vous emmerdez pas. Par contre, allez faire des plaques. Hein. Allez presser de la placasse. Programme. Sécurité à l'atelier. Ah si, 5 intéressés. Pas de créneau horaire. Ok. Gym. Wow, alors attends, c'est chiant. Ouais, ok. Vous levez, vous allez dans vos cellules. Ensuite, vous foncez douche. Ensuite, vous allez dans la cour. Alors, douche, par contre, je vais laisser un peu de temps. Je vais laisser 2 heures pour se doucher. Franchement, c'est généreux. Du temps libre. Repas. Cours, non. Temps libre, vite fait.
vas-y, un bon temps libre. Vas-y, un bon temps libre, je suis sympa. Ensuite, on part sur travail ou temps libre. Puis temps libre, repas, cellule, dodo. Là, on est bien. Ah, les mecs, ils travaillent 2 heures par jour, au calme. Ils travaillent autant qu'ils ont de temps pour se doucher. Oh, ils sont bien. Du coup, là, ça s'est rempli. Ça part comment, là? Ça part pas, c'est pas grave, on va partir. C'est pas grave, de toute façon, nous verrons bien. Un employé est épuisé. Ça. On peut avoir des infos. Deux familles attendent de rendre visite. Ils vont tous me saouler avec ça. Ok. Ok, ok. Il va falloir très rapidement qu'on construise un autre bloc de cellules déjà pour augmenter mon niveau de sécurité en urgence. Ce qui me plairait beaucoup. Mais j'y mettrais quoi? Je pense de la basse sécurité. Enfin, je vais y mettre du moyen, parce qu'il vaut mieux avoir du moyen, c'est ce qui rapporte le plus de sous, même si c'est ce qui pose le plus de problèmes. Enfin, ça pose plus de problèmes que normalement les basses sécurités. Et tout ça en basse sécurité en fait. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de partir là-dessus. Du coup, ce qui va nous faire faire. Ah, il faut que je clone ce bâtiment là. Alors, tu fais du combien ça? Ah, ben attends, normalement on peut cloner comme un gros sac maintenant. À première vue. Clone. Ah ouais, on peut vraiment clone comme un gros sac maintenant. Ah, c'est bien. Mais on va pas le faire. Ça ne m'intéresse pas. On va le faire manuellement. Parce que. Alors, par contre, ouais, la largeur, il faut que je la garde. La largeur, il faut que je la garde. Donc c'était du 15. J'ai gardé une prison de 15. Toi t'es là. Si je me colle là. Vas-y, il me faut du 15 de toute manière. Par contre, il faut que je recule. 15 par contre pour les prisons, les cellules dedans. Je suis pas sûr du combien je pars. Hein. Cela on est sur du plus petit. Je vais projeter un nouveau chemin de ronde. Et les mecs ils sortent, mais les portes de cellules elles sont fermées la nuit ou ça se passe comment? Ça s'évade en bouclant. On dirait une équipe de touristes. Et oui, il se barre tranquillou. Ouais, salut, hein. Bah écoute, à la prochaine, ma gueule. Hein. Ah non, mais attends, il y a une sombre histoire de mecs. On vient leur ouvrir. Ils s'évadent tranquillou. Ils s'évadent tranquillou! Les mecs qui viennent leur ouvrir. Non mais j'hallucine. En fait, les gars ils sont juste cons. Ils viennent leur ouvrir sur l'extérieur. Bah c'est génial. Bah on va mettre un mode enceinte ici. Hein. Puisque vous êtes trop cons. Logistique. Voilà, on a 5 évasions, on est une vraie passoire. Très haute sécurité, personnel uniquement.
On n'a pas. Par contre, on n'a toujours pas accès visiteur, genre uniquement. Ça, toujours pas. Ça, toujours pas. Donc là, on est sur personnel uniquement, évidemment. Personne n'a le droit de venir ici, sur ce coin-là. Voilà. Ah, c'est débile au possible, quoi. Mec, il n'y en a aucun qui réfléchit, c'est beau. Hein. On est serein. Aucun prisonnier est affecté à prendre ses repas ici. Comment ça? Comment ça? Bah si! Gros, il y en a plein même! Bah il y en a pas mal même! Bah il y a tout le bloc là en fait, tout simplement. Et eux ils continuent à passer par là, je comprends pas. Il y a des portes ici, c'est censé être fait pour ça. Non, les mecs ils passent pas en bas. Je comprends pas tout. Il y a une logique qui m'échappe. Il y a une grosse logique qui m'échappe même. Et comment résoudre? Bah en fait, tout simple pour résoudre le problème, c'est de démonter ça. Voilà. Démonte ça. Non mais ça je m'en fous. Ouais, arrête de montrer le prisonnier, je m'en cogne. J'ai compris qu'on était une passoire. Parce que j'ai pas tout surverrouillé et que je vous empêche pas de tout faire sortir. Normalement il faudrait que je... En fait je vais utiliser la bonne vieille technique de con. Alors ça c'est personnel uniquement. Voilà. Personnel uniquement. Personnel uniquement. Personnel uniquement. Parce que sinon ils comprennent pas. Sinon ils ouvrent toutes les portes. Personnel uniquement. Voilà. Personnel uniquement. Je sais plus comment vous chantez en fait. Hein. C'est vraiment personnel uniquement. Après j'ai peut-être pas bien fait mes trucs mais... Puis bon, je sais qu'ils sautent par-dessus là actuellement aussi mais... Enfin les mecs qui se barrent par là... Non c'est les gars ils viennent... Ils leur ouvrent la porte. Ils sortent, puis après ils sortent leur cul. Hey, attends, tu t'évades là! Oh, pff, il s'est évadé! Waouh! C'est incroyable! Mais quoi? Mais tu te plains de quoi? Mais tu te plains de quoi? Mais quoi? Trois prisonniers. Prisonniers ont besoin désespéré de ceci, de confort! Mais tu te fous de ma gueule! Vous avez des petites cellules smooth, faut arrêter votre cinéma aussi! C'est quoi le problème avec les vêtements quoi? Ah ouais, oui. Alors ça oui, c'est peut-être effectivement de ma responsabilité. Oui, c'est vraiment que oui. Il y en a 4 là. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est des bibliothèques tout ça. Non pour l'instant ça vous avez pas. Nécessite une entrée. Oui, oui, bon, on va te la faire, hein, t'es gâté. On a bien compris. Je m'ai envie de dire, je crois que je me casse la tête avec ça pour rien et je devrais faire un truc du coup un peu moins large parce qu'ils vont tous vouloir prendre la double sortie. Ouais. Et ici, construction béton. Annule-moi ça. On va partir sur du 14. Comme en 14. Sur du 69. Bah, c'est très bien. Allez, vas-y. J'ai la place pour mettre des tours. C'est très bien. Oui, alors par contre, en termes de priorité, hein, sois gentil. Ça c'est prioritaire. Ça c'est prioritaire. Dépêchez-vous quoi. N'oubliez pas un petit carré. Hein. Voilà. Par contre, vous êtes pas beaucoup à bosser non plus. Je pourrais augmenter vos effectifs. Mais j'ai pas d'argent. Et j'ai déjà 7 gardiens qui sont fatigués, non? 2 employés sont épuisés quoi. Bon, j'ai des mecs blessés. J'avais pas embauché un médecin? Boulot doc.
me remettre un petit peu de thune, ça, ça va faire du bien. Voilà, voilà, ça, ça on aime. Ça, par contre, ça, ça on adore. Bon, autant que vous voulez. Hein. Continuons à en faire. En veux-tu, en voici. En voici, en voilà. C'est tout ça. Quoi. On voit rien les mecs quand vous bossez là maintenant la nuit, j'ai l'impression, même avec le bouquet on voit rien. Pour une première patrouille. Ah. Ça charge un peu. La deuxième patrouille. Ah non, mais ça c'était une patrouille de chien que je voulais faire, voilà. Ça, c'est une patrouille de yinche. Ah, et déployer maître chien, c'est genre uniquement dans le bâtiment. Okay. Alors, c'est pour ça devrait aller. Ah, les besoins de drogue, tout ça. Ouais, j'ai pas encore mis de programme en place non plus. De dire il nous dépète un peu. Après il y a peut-être moyen d'arracher une subvention là vite fait, pas moyen de prendre une thune. Réhabilitation par éducation. Pupille des prisonniers qui réussissent le programme de formation scolaire pour débutants. Ah oui oui, qui réussissent le programme scolaire général. Alors ouais, ça va... c'est compliqué mais c'est du coup c'est un peu le défi actuel. C'est un peu ce qui nous intéresse. Hygiène culinaire, tout ça on s'en fout. Scolaire pour débutants. Toutes les salles sont... Quoi? Mais comment ça? Mais ça c'est une salle de classe, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que... Hein? Mais comment? Mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton putain de problème? Comment ça toutes les... Alors par contre hygiène et culinaire ça marche hein. Atelier, ça marche. Il faut quoi pour ça? Salle de classe. Durée de la séance, 3 heures. Chaque prisonnier a besoin de pupitres de tête volontaire. Embauche de l'extérieur possible. Place assise d'élèves nécessaire. Académique facile. Je ne le dis de plus, c'est un pupitre. Ils peuvent s'asseoir, ils peuvent asseoir leur cul. C'est quoi les autres conditions? Vas-y, refais-moi ça là, juste pour rigoler. 3 heures. Alors, est-ce que vous avez 3 heures? Vous avez, vous n'avez jamais 3 heures de temps libre. Eh ben très bien. Et vous faites ça comme ça. Non mais non. Non mais les deux en fait. Viens-moi ça. C'est pareil pour les deux. Par contre voilà, vous avez genre 3 heures de temps libre ici. Est-ce que c'est bon? Est-ce que maintenant on a un créneau, monsieur? Règlement, programme. Débutant. Ça sont réservés. Je vais le frapper dans la bouche. Je comprends pas. Je comprends pas et j'aimerais bien savoir surtout comment je libère des salles quoi. Les salles sont réservées. Elles sont réservées pourquoi? J'ai lancé aucun programme de rien d'autre que ça quoi. C'est gonflant. Scolaire général, débutant. Là, il y a un truc que j'ai pas et ça m'énerve.
Pourquoi cette salle est-elle réservée? J'ai fait quoi? J'ai mis clic ou ça se passe comment? Non, elle est disponible. Hein. Salle de classe est interdite, certes, mais du coup toutes les salles sont pas réservées, faut arrêter. T'es bien partagé, toi. Bon, il y a des trucs que je bite pas. Il y a des trucs que je ne bite plus. Admission. On a quoi dans notre prison là? 15 de basse sécurité. Mais pourquoi on en a 15? Non, mais au secours. Ferme-moi ça. Non. Ferme, je te dis. Ouvre ça. Il faut 10, c'est ça? 10 mecs qui vont s'évader, s'il vous plaît. 10 mecs qui vont s'évader, s'il vous plaît. C'est pour la bonne cause. N'hésitez pas. Des prochains outils qui seraient bien qui apparaissent, c'est quand même de donner des priorités au tour de sniper à utiliser en premier. Parce que je vois bien le mec m'utiliser la tour de sniper, genre qui est là, alors que j'ai impérativement besoin dans les débuts de protéger les coins. Je sens que c'est pas évident. Alors, nourrir tous les prisonniers, comment ça se passe? C'est bon, ça bouffe, vous faites pas chier, non? Vous dans la cantine de gauche. Ouais. Comment ça, aucun prisonnier? Ah, mais ça me saoule grave. Logistique. Bah, ouais, normalement ils sont censés manger là. Mais il n'y a pas de demande. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont tous là. Parce qu'ils sont tous là. Mais pourquoi. Qu'est-ce que. Hein? Qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que j'ai pas compris que j'aurais dû comprendre? Ça, j'ai demandé à le démonter. Venez me faire ça vite fait là. Faire ça là vite fait aussi là. Dépêche-toi. Et vous, on me remplacez ça par un joli mur de béton. Merci. Il sait faire rapidement. Non, mais l'autre truc derrière. Ah, t'as bien compris, merci. T'es bien aimable. Éventuellement, pour bien faire, tu pourras mettre une jolie fenêtre. Voilà. Maintenant, ils sont tous obligés de passer par l'entrée. Voilà. Il y a des mecs au contrôle des portes, j'ai l'impression qu'ils servent à rien. Mais où tu vas en infirmerie, tranquille, peinard. Aucun garde qui va aller chercher par la peau du cul? Ah, ils sont chiants. Réaction des gardes. Lorsque cette option est activée, vous pouvez appeler les gardes alentour à un endroit précis de la carte. Vous cliquez plus, les gardes sont nombreux. C'est un clic droit pour annuler. Ah, c'est rigolo ça. Mais c'est nul. Allez, une petite fouille générale parce que c'est le bazar. Et qu'il va falloir arrêter ça. J'avais oublié à quel point les prisonniers c'était vraiment des connards en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi je sais mater tout ça, hein. C'est pas un souci, hein. Si on m'embête de trop, ça sera enfermement ou travail. Voilà, faudra choisir. Ce sera tir à balles réelles, et on s'embrouillera plus. Voilà. On remplace les gardiens par des gardiens armés, point. Voilà. Les caméras, ils iront se faire foutre, les coups de téléphonique, ils iront se faire foutre. Tout le monde ira se faire voir. On tirera sur les gens en balle réelle, ce sera parfait. On est déjà à 26, 12, oui 14, parce que j'ai les basses sécurité, on sait pas trop ce qu'ils foutent en fait. Pourtant ce secteur-là, il est en partagé, non?
Ah non, tout ça c'est en mode. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah c'est cool. Bah c'est vraiment cool. Voilà. Alors, du coup, maintenant on a plus de place pour. Alors, on a 30 places. Du coup, vous êtes 26. On va rajouter 14. Non, vous êtes pas 26, vous êtes 12. 18. C'est pas compliqué, il y a une place de plus, je suis con. Allez. Puis vu que vous vous amusez à faire les cons, on va commencer à durcir le régime. Hein. Alors. Vous aurez moins de temps pour manger. Ce sera repas puis dodo et j'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà, pour l'instant c'est comme ça. Ça me paraît bien. On est bien. On les met quand même un petit temps dans la cour quand même. Voilà. Ça me paraît bien. Et ils bossent, hein. Pour être que 4 en vrai, les mecs ils avoinent. Hein. Ils avoinent sévère même. Et ouais, il faut une entrée, il faut une entrée. Donc on est à 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Pourquoi je sens que je suis à côté? Je sens que je me suis gouru. 6, 8. Non, je ne suis pas gouru. Ah, mais attends, je crois que j'ai l'ancien fantôme. Non, j'ai le nouveau. Qu'est-ce que. 4, 6, 8. 2, 4, 6. Je suis un canard, c'est là. 4, 6, putain, le bâtiment il fait. Mais je suis un crétin, il va faire du 4, du 13 et pas du 14. Mais non, j'ai vraiment fait cette bavure là. Ah, oh, ça m'énerve. Je m'énerve. Comme ça. Comme ça. Bon. C'est verrouillé. C'est quoi tes conneries? Oh, tu rajouteras un mur là. Voilà, merci. Ça saoule pas ton monde. On rajoutera un mur ici. Voilà, merci. Et effectivement, bon, on va te remettre ta grande porte. Je suis 14. Quoi? Oui, 13 là, du coup 14. Oh, ok, c'est bon. 2, 4, 6, 8. Là, normalement, on est au milieu. Ça me paraît moins bizarre tout de suite. Ouh. Faut rester calme, hein. Mais pourquoi vous les mettez pas dans des cellules? Y a un truc que j'ai loupé ou quoi? Moi, une sécurité, j'en ai 12. J'ai 26 mecs. Comment t'as rangé les mecs? Pourquoi tu mets personne dans les cellules? Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le jeu ne fonctionne pas. Est-ce que quelqu'un peut bien m'expliquer, bordel de merde? Non mais vraiment là. C'est vraiment chiant. Bah je sais pas, écoute. Non, mais tu mets ça en partagé du coup, hein. Bougez-vous. Hein. L'accès limité, hein. Voilà. Ah, c'est parce qu'il y avait accès limité que ça les empêchait d'aller. Oh, yes, bon, super. Voilà. Et où, voilà. Non, ça c'est jaune, c'est orange. Allez, viens-moi ça. T'es-tu arrivé? C'est l'accès limité qui les empêchait de. Comme c'est mignon. D'accord. C'était très rigolo. Et du coup...
coup les cellules sont occupées maintenant. Donc les 18 prisonniers, avec ça on devrait repasser en positif. Et je pense que c'est une bonne manière de terminer cette vidéo, puisque bon bah ils avancent pas les mecs. Ils avancent pas, juste on revient en positif, on fait le triste constat de beaucoup trop d'évasion, pas assez de morts. C'est triste. C'est triste, vous vous rendez compte, hein, j'en suis au point où je fais quand même bien les choses quoi. C'est quand même dramatique. Oh, on est en positif, on rentre de la thune. Allez me chercher tout ça. Ah, c'est parfait. Quand je le ferme avant de le bourrer, hein. C'est fermé la mission. A plus place, barrez-vous. Con de bim. Pas démoli le secours, je suis énervé. Je sais pas trop ce qu'ils font. Je comprends pas tout ce qu'ils font. Mais je pense que mes ouvriers le font. Je vais en rajouter quand même quelques-uns avant qu'on accroche. Parce qu'on a de beaux revenus. Je me dis pourquoi pas. Vite, on est bien démolir ces murs là, hein, c'est pas des clôtures, hein, dirais-moi ça. D'ailleurs, tout de suite, pas demain. C'est terrible, hein. Thierry, c'est terrible. Oh, tu fais un petit bonhomme de chemin. D'ailleurs, j'ai jamais mis de gazon ici. Alors là. Je me suis auto-insulté, je crois. Petit gazon, voyez-vous. Avez-vous vu le beau petit gazon? Mais ça, c'est pas joli. C'est pas splendide. Je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Une petite lumière en plus. Je profitais quand même de la beauté de ce gazon. Quand même. Voilà. Pas bien. Ah bah voilà, tant qu'on a durci un peu la politique, ça a l'air de se tenir un petit peu plus à carreau. Ça fait plaisir. Ah bah là on avance. Ah on avance, on a du bois à vendre, on est bien. Enfin, on fait du pognon, ça y est. Ça y est, on fait du pognon. Hein. Vous noterez que j'ai toujours pas construit la foresterie. Je me tiens à carreau, hein. Vous avez vu, je me suis rangé maintenant. Je tue plus les gens, je les laisse évader. Même mes gardiens ils sont fatigués, ils veulent plus leur courir après. On est vieux hein, troisième prison ou quatrième, je sais même plus. Ah ça commence à être compliqué quoi. Pareil que le meurtre c'était bien mais c'est sportif quoi. Ah, on a un âge le sport, c'est plus trop ça. C'est plus trop ça. Sinon toi ça roule ma grosse. T'es content, ça se passe comment? Rapide, c'est pas bien quoi. Exceptionnellement vite. Ah. Verrouillage, machin, fou, répression, il est à 10 là, là il est bien. 86, 87%, ok, il passe pas mal de temps en cellule, du coup ça le détend. 32% de son temps en liberté, plus il est libre, plus il est pas assez réprimé quoi. Réhabilitation, il est à 0%. Bah ouais. Bah ouais, sécurité, 7% de son temps en cellule. Ça redescend. Santé, bon il a pas assez bouffé quoi. Et lui il a l'air content lui. Lui c'est le genre de mec, il a l'air content. Et il est comme tout le monde. Par contre le degré de réhabilitation il est mort hein, là. Il faut que je mette des programmes, faut que je fasse genre je m'intéresse à eux hein, vraiment. Tout ça sont réservés, il y a vraiment. Bon il y a juste. Ok. D'ailleurs, c'était la question. Ça c'est la question à 8000 boules. Toi. Pièce, bureau. C'est où ça? Bureau, voilà. T'as un bureau ma grosse. Voilà. Est-ce que du coup... Ok. Entre 6 et 8 heures du matin, très bien. Salubrité, public,
C'est bizarre, pourquoi je peux réserver plus de temps? Je comprends pas tout, c'est pas... Je sais pas toujours... Formation scolaire pour débutants. Ah bah maintenant on peut. Je comprends pas tout, hein. C'est bizarre. Et là ça commence, donc régime on en est où? Ah ça va commencer sur le travail, c'est ça, c'est... C'est aller au boulot quoi. Yes. Et du coup vous allez en... En classe. Ou je ne sais quoi. Je comprends pas tout. Ça me gonfle. C'est pas clair. Quand c'est pas clair, ça me gonfle. Programme. Menuiserie, personne intéressée. Toxicologie, 5 qui sont intéressés. Anti-alcoolique 2. Entraînement taser. Ah ouais, 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 carrément, les gars. Allez, taser du trou de balle. Hein. Ah là, il n'y a plus de temps. Ouais, besoin de ça suffit. Audience pour une conditionnelle. Un par un. Pas plus. Guidance spirituelle. Oh non mais ça vous me faites chier avec ça aussi. Hein. Ça là-dessus je vous sens pas, vous savez. Hein. Toxicologie c'est en cours. D'accord. Hygiène culinaire c'est en cours. Sécurité à l'atelier c'est en cours. Formation scolaire c'est de 6h du soir à 9h. Ça correspond à quoi? De 6 à 9 c'est bien la période de travail. Régime de 6... Ouais, de 6 à 9, c'est ça, ouais. Ok. Ah, il y a un peu de sang qui a été versé. C'est normal. Ne paniquez pas. La mort, c'est quelque chose de normal. Alors ça, tant que c'est pas aménagé, genre... ouais, non, bah... Ouais, si, verrouille... verrouille ouvert, vas-y. On va démolir ça, démolir le mur. Dégager l'intérieur. Dégager le mur. Ok, ça marche pas, c'est super. Cool. Mettre une dalle par dessus. Ouais, c'est super, c'est moins moche. On va faire ça. On va faire ça, c'est moins moche. Ok. Bah écoutez, du coup, on va peut-être poursuivre un tout petit peu. Parce que maintenant, on a ça. Non, je vais aménager ça en off. Je vais pas vous embêter, je vais emménager ça en off et on en reparle quand on sera à nouveau en positif en thune. Oh, ils sont stressés. Je pense qu'un ou deux gardes armés avec l'autorisation de faire feu les détendra. Sur ce, des bisous, je vous remercie, c'était Knarfonk sur Comme d'habitude Gaming pour Prison Architect. Ciao.